Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais vous montrer comment colorier Squeak, le nouveau brawler de Brawl Stars. Je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo pour savoir comment le dessiner. N'hésitez pas à aller voir ça. Et là, on va voir comment le colorier. Juste avant de colorier, on n'oublie pas quelques petits détails. Ok, on va partir sur du bleu. Donc je commence avec un bleu clair. Donc si vous n'avez pas cette marque là, vous prenez une autre marque, hein, vous prenez le bleu le plus clair que vous avez. Et c'est parti, c'est ce qui va nous permettre de faire les reflets. Comme il a un aspect un peu vitreux, il aura des reflets tout autour de lui-même. Vous voyez, je laisse une légère épaisseur blanche tout autour aussi. Ça va encore plus accentuer cet aspect un peu vitreux qu'il a. Ok, bah c'est bien, allez c'est parti, parti plus foncé. Thank you.
La langue, elle est en bleu, mais elle est d'un bleu. Elle est d'un bleu un peu comme celui-ci, je dirais. La langue. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On est sur un bleu un peu plus nuit. J'aurais pu dégrader, j'ai pas dégradé. J'aurais pu. J'aurais dû dégrader avec une couleur aussi différente. C'est pas grave, on va le faire hein, maintenant. Hop. Alors après, les couleurs sont un peu différentes pour les dégrader, mais. C'est joli, hein? Je suis en train de me dire, j'aurais dû dégrader même le perso. À la limite, je le fais, je m'en fous, hein.
Alors là, je dégrade une couleur avec elle-même. Hein. Enfin, je mets une deuxième couche pour que ce soit plus foncé en gros. Ça va donner un peu plus de profondeur au perso. Eh ben écoutez, c'est stylé, hein? C'est stylé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit feutre à gel blanc. Petit feutre à gel blanc, je pense, et on va mettre des petits reflets. Des petites bulles de reflets comme ça. Vous pouvez améliorer l'opacité de ces petites bulles. Ouais, merci Hugo. Donc vous prenez un petit rose rouge. Ça, la couleur, c'est rose antique dans les Pro Markers si vous avez. Ok, nickel. Maintenant une couleur un peu violet. Je pense que celle-ci est bien. Ouais, nickel, parfait. Le chapeau. On pourrait faire un petit dégradé. On fera un dégradé après, je pense.
Hop. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça, c'est parfait. Ouais, nickel. C'est un peu clair même, mais c'est bien. Ok, alors on n'a pas encore fini. Il nous manque les yeux. Les yeux, ce qu'on va faire, c'est un dégradé au blanc. Et pas un dégradé à blanc. Donc on va partir de ça, ça, puis ça. Puis on viendra mettre des reflets. Ce que je peux conseiller en général, c'est de venir, tu vois, avec un feutre un peu plus foncé, faire juste ton bord. Tu vois, ça va te donner un tout petit peu de profondeur. Et ça va enlever la pellicule plus claire. Et ensuite, le blanc. Donc la couleur, le blender, hein, quand je dis le blanc, c'est le transparent. On pourrait pousser le truc encore plus loin et mettre plus d'ombre, mais je pense que ça suffit. J'espère que ce dessin vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.